À Abuja, au siège de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, on qualifie de mission de fraternité le déplacement que doit effectuer le président béninois au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Patrice Talon, dans ces trois pays, dans ces trois capitales, rencontrera les présidents, les chefs des juntes autoproclamées qui ont pris le pouvoir par la force. Au moins trois sujets de discussion. Le premier, c'est la durée de cette transition. Il faut respecter le calendrier électoral, mais la durée de la transition sera un sujet de discussion. Le deuxième sujet, ce sont les rapports de ces juntes avec les classes politiques, les classes politiques locales, comment ça fonctionne. Il faut que le débat soit inclusif. Et puis ensuite, probablement, le président béninois va sonder les chefs putschistes sur leurs intentions. Est-ce qu'ils ont l'intention, par exemple, d'être candidats aux prochaines présidentielles? On sait que dans des pays comme le Niger, le président Mohamed Bazoum est contre cela, en disant que les textes de la CEDEAO ne permettent pas cela, les Américains aussi un peu, mais dans des pays, il y a des associations qui se créent actuellement pour susciter les candidatures de ces chefs de junte. Alors, après cette visite, le président du Bénin va ensuite revenir à Cotonou et faire des propositions aux chefs d'État pour leur prochain sommet extraordinaire prévu avant, dans un mois, environ un mois, à Abuja, au Nigeria. Alors, l'autre information qui a filtré après la réunion des quatre chefs d'État, c'est la décision de réactiver les Comog. Les Comog, c'est la force militaire de la CEDEAO, dominée par les Nigériens. Il a été décidé de la remettre sur pied. Il faut un budget de 2 milliards de dollars, environ 2 milliards de dollars, et les chefs d'État exigent que ce soit un financement interne, que ce soit des fonds propres de la CEDEAO. Et actuellement, il y a des techniciens qui sont en train de plancher sur la question. Ils doivent rendre la copie dans 60 jours.